Wow! Je capote, je capote, je capote, je capote! Qui est Elisabeth? Écoute, c'est donc bien deep comme question. J'ai comme 22 000 followers sur Instagram, là. Imagine ce que je peux apporter à votre magazine. J'ai gagné plein de médailles de patinage artistique. En secondaire 5, j'ai gagné un méritage de cheerleading. J'ai aussi gagné le concours de French à l'après-balle. Oh my God, je peux pas croire que je viens de dire ça. Excuse-moi. Oui, maman? Je suis sportive. Je fais de la natation depuis que je suis toute petite, là. Oui, j'étais en entrevue, là. Mais j'aime aussi la mode, là. Hey, c'est-tu vraiment vrai que quand Marie-Mé a fait le cover, elle a demandé un tigre blanc sur le set? Je vais raccrocher, là. Bye! Elle te fait dire bonjour. J'étudie en graphisme. Je me suis dit qu'un magazine de mode, c'était pas mal l'endroit idéal pour faire un stage, étant donné que toutes vos photos sont retouchées à mort. Ça va peut-être faire comme si on se connaissait pas, hein? Comme ça, tu sais, j'aurais l'air d'une vraie stagiaire. Je pense que le milieu de la mode est celui où je pourrais être le plus créative. Je pense. J'aurais pu être en train de faire n'importe quoi. Comme quoi? T'as douné? T'es pathétique avec ta fascination pour Kristen Stewart. Puis toi, t'es pire que ma mère, là. C'est pas parce que c'est toi qui voulais cette chambre-là quand on a pigé que ça te donne le droit de faire comme si t'étais la reine ici. Dis-le donc, je suis ta cousine préférée. Je sais pas ce que je ferais sans toi, Laurie. Tu as-tu pensé, moi, ce que tu vas porter demain? Pas vraiment, non. Je l'ai pas comme toi pour ces affaires-là. Je le sais, c'est pour ça qu'on va te faire des kits. En plus, il va fitter avec le mien. Regarde, je me suis fait un mood board Pinterest avec tous les looks que je vais porter cette semaine. C'est nice, hein? Ça fait un mois que je travaille là-dessus. Bon. Lève-toi, puis essaye... Essaye ça. Ah, c'est comme trop beau. Style sportif chic. Tu penses? Mais hein? Seul, on dirait que t'as pogné tes peines dans un sac à vidange. Mais avec ces souliers-là, ça fait toute la différence. Non, je sais même pas comment marcher là-dessus. Là. Ah, voyons donc, t'es une fille, c'est dans ton ADN. Puis tu le sais que la fille dans The Devil Wears Prada, elle a comme zéro crédibilité dans son chandail bleu-lait, puis que tout change pour elle quand le designer artistique gay lui prête des vêtements fabuleux. Oui, c'est un film, Laurie. Basé sur une histoire vraie. Puis ce qui est vraiment fou, c'est que c'est comme un peu ton look naturel, sauf en beau. Puis c'est la mode en ce moment. Regarde, Clara, c'est drette ça qu'elle porte sur son dernier street style. C'est beau, hein? Avoue que j'ai une styliste, née. C'est qui déjà, Clara? Elle ressemble à la jumelle au signe des pauvres, là, là-dessus. Hé, que t'es négative! Là, faudrait que tu te rappelles c'est qui, Clara. Parce que c'est pas avec cette attitude-là qu'ils vont t'engager après, tu sauras. Oui, je me rappelle. Clara, c'est elle que tu regardes son blog à peu près 20 fois par jour puis qui a été DJ à l'ouverture du H. C'est pas le seul blog que je regarde, tu sauras. OK. Coudonc, sont où les pantalons gris qui étaient en haut de ton garde-robe la semaine passée? Faut te faire un kit pour les autres jours. T'es venue fouiller dans ma chambre pendant que j'étais au cégep. Fouiller, t'as un bien grand mot, là. Je pensais que t'avais encore serré mon chandail cher dans tes affaires cheap sans t'en rendre compte. Ah, tu m'énerves avec ton Tinder. Passe-moi ça. Tu devrais peut-être être sur Tinder, toi, avec. Ça ferait changement de Kristen Stewart. Je veux juste te dire, Laurie, quand tu dis ça, là, ça paraît vraiment que tu viens de Saint-Jérôme. Je capote, je capote, je capote. Moi aussi, je stresse. Il paraît que les bureaux sont full design. J'espère tellement avoir un Mac. Aïe, aïe. T'as de la technique? Mets tes souliers. Non, je les ai comme oubliés. Non, t'es pas oublié. Cette idée de venir en vélo pour sauver 3 piastres. Oui. C'est donc bien long. Penses-tu que c'est mauvais signe? Oh. Non. Hi, girls. Salut. C'est ta jumelle Olsen des pauvres, ça? Ta gueule. Bonjour, les filles. Laurie, Elisabeth, Clara. Ludivine, oh my God. So good to see you. C'est trop bien qu'on va travailler ensemble. Ouais. Bon, allez, on y va. Alors, la rédaction, compta, graphisme... T'es en train de foutre quoi, là? Ça va en haut, ça fait 2 fois que je te le dis depuis ce matin. Putain, con.
finances, le bureau de Philippe, le rédacteur en chef. Non, je veux connaître les KPI du distributeur. C'est pas compliqué. Philippe est très motivé. Bon, maintenant, votre bureau. Ah, donne-moi une seconde, j'ai une autre ligne. Allô? Alors, je suis ben trop dans le jeu. On se voit 5 à 7, OK? Et voilà le bureau des stagiaires. Alors, installez-vous. Et puis, profitez-en pour faire un petit ménage. OK? Allez, OK, on dirait Sarajevo, là. C'est clair que je peux pas Instagrammer ça. Mais non, c'est pas si pire, là. Regardez, on a une belle vue sur le centre-ville. Un PC? Fuck my life.